Bonjour à tous, merci d'être présents. Les conditions ne sont pas très favorables, donc vous avez dû braver un peu de risque pour venir m'écouter. Donc ça fait plaisir. Ma conférence, ça va être liée à ce sur quoi je travaille depuis que je suis à l'université. Autour de la valorisation des microalgues. Alors, il va y avoir plusieurs parties. Je vais vous expliquer, si vous ne le savez pas, ce qu'est une microalgue et son rôle dans la nature. Et ensuite, j'ai surtout, je viens d'un laboratoire qui s'appelle le GPA, qui est génie des procédés. Donc, on s'intéresse au développement de procédés industriels. Donc, on va voir ensuite comment l'homme aujourd'hui peut utiliser ces microalgues pour les enjeux du futur. Les enjeux industriels en particulier. Avec différents exemples, comme c'est marqué dans le titre, on va couvrir assez large, de l'alimentation à l'énergie, et on finira par présenter donc, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, et puis les défis de l'avenir, si on veut vraiment implanter cette bioressource assez nouvelle, en tout cas pour l'homme, vous verrez, mais pas pour elle-même, parce qu'elle est là depuis très très longtemps, si on veut implanter cette bioressource pour les enjeux du futur. Alors, donc, comme je vous disais, une microalgue. Alors, je ne sais pas si vous savez, j'ai entendu parler ce que c'était. Alors, il y a une dizaine d'années, quand j'ai commencé j'ai commencé il y a plus d'une dizaine d'années, une vingtaine d'années, on ne savait pas, mais il y a une dizaine d'années, personne ne connaissait encore réellement ce que c'était, à part quelques initiés. Maintenant, on commence à en voir de plus en plus. Un exemple que vous avez peut-être entendu parler, c'est la spiruline. On y reviendra tout à l'heure. Parce que la spiruline, c'est un peu l'ambassadrice des microalgues, même si ce n'est pas totalement une microalgue, mais en tout cas, dans ce domaine-là, c'est celle qu'on parle le plus. Alors, ensuite, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des micro-organismes photosynthétiques, c'est-à-dire qu'ils sont une dizaine de microns environ, chaque cellule. Ça se développe en milieu aqueux, et on en trouve un peu partout sur le globe, à la fois dans les océans, mais également dans les eaux douces, dans les lacs. Et on voit ici quelques photos, notamment la photo en bas, on peut aussi en trouver sur les glaciers. Et on en trouve aussi, en fait, vous êtes tous plus ou moins vus, si vous êtes baladés, moi je fais ma recherche à Saint-Nazaire, si vous êtes baladés sur la côte, notamment vers le mois de mai-juin, vous allez voir la photo qui est en haut à gauche, là, qui est un marais salant à Guérande, avec certains marais qui deviennent oranges, et c'est dû à une micro-algue qu'il y a dedans, qui s'appelle Dunaliella. Salina, parce qu'elle pousse en milieu salin, et elle devient orange en faisant du bêta-carotène. C'est aussi un des exemples les plus connus des microalgues. Donc, on en trouve partout. Pourquoi on en trouve partout ? C'est grâce à son évolution. Ici, vous voyez quand sont apparues ces microalgues. Il y a les microalgues et cyanobactéries. Tout à l'heure, je disais que la spiruline n'est pas une microalgue. En fait, c'est une cyanobactérie, mais on englobe tout ça sous le même nom microalgue, parce que finalement, ça... à quelques différences biologiques près, ça a les mêmes caractéristiques. Les microalgues sont apparues au tout début, quasiment, donc il y a plus de 3 milliards d'années. On leur doit beaucoup de choses, on leur doit notamment la production de l'oxygène qu'on respire aujourd'hui. Donc elles ont converti l'atmosphère qui était riche en CO2 en atmosphère qu'on appelle aujourd'hui oxygénique, donc qui nous permet de respirer et à continuer à avoir ce rôle-là. Et elles sont aussi à l'origine, en grande partie, des ressources pétrolières, parce qu'il y a tellement de CO2, le CO2 étant un élément principal à leur croissance, qu'elles se sont développées, elles ont sédimenté au fond des océans, et avec le temps, c'est devenu du pétrole. Donc, elles sont là depuis très très longtemps. Et nous, on a tout l'autre bout de la chaîne. Hein. Si vous regardez, l'ère industrielle, en fait, c'est quelques dizaines d'années, enfin, on va dire, allez, 100, 200 ans, où on est vraiment dans la partie ère industrielle, où on est vraiment dans l'industrie telle qu'on la connaît aujourd'hui. Et quand on compare ça à 3 milliards d'années, évidemment, il y a un sacré gap entre les deux. Donc, une évolution qui est très, très... ancienne, donc une biodiversité importante, c'est-à-dire qu'on va avoir beaucoup d'espèces, et c'est aussi pour ça qu'on va les rencontrer partout sur le globe, c'est qu'elles ont réussi à s'adapter à quasiment toutes les conditions qu'on va pouvoir rencontrer sur la planète. Donc elles sont là depuis très longtemps, mais au final on ne les connaît pas depuis si longtemps que ça, comme je disais tout à l'heure. Pourtant elles ont un rôle, encore aujourd'hui, très très important au niveau de l'environnement,
Vous avez ici notamment le rôle majeur, c'est la production d'oxygène, donc c'est la photosynthèse. En fait, des micro-organismes photosynthétiques, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce sont des plantes, hein. Elles se développent comme des plantes, sauf que ce sont des micro-organismes, c'est le phytoplancton en fait dans la mer. Et derrière, on va fixer du CO2, dioxyde de carbone, pour en faire de l'oxygène. Donc elles ont ce rôle-là. Et vous avez ici quelques ordres de grandeur. La photosynthèse à l'échelle de la planète, alors pas que les micro-algues, mais une grande partie via des micro-algues, parce que ce sont les océans, puis les océans recouvrent la grande partie de la planète, c'est 100 gigatonnes de CO2 fixées par an. Donc ça correspond aux émissions de l'équivalent de 100 gigatep, pardon, donc équivalent pétrole, de consommation énergétique dans le monde. Donc soit 8 fois ce qu'on produit, enfin ce qu'on consomme plutôt, au niveau de nos besoins industriels actuellement. Alors on pourrait se dire comme ça que ça va permettre de réguler. En fait, faut pas. J'y reviendrai tout à l'heure, mais il y a un aspect ici à ne pas confondre, c'est que ce n'est pas un puits de carbone. En fait, avons consommé le CO2, mais sauf à les mettre au fond des océans puis à les faire transformer en pétrole, ce que maintenant on fait ressortir des océans pour nous-mêmes, c'est juste un chaînon dans la chaîne du carbone. Donc CO2 deviennent des plantes, et puis après, ces plantes ou micro-algues, à un moment ou à un autre, elles meurent, elles se désagrègent et elles peuvent relarguer donc du CO2. Donc c'est pas un système de stockage de carbone. Par contre, elles ont un effet important à l'échelle de la planète, notamment tout ce qui est réchauffement climatique, parce qu'elles vont jouer un rôle, notamment si le CO2 augmente, il y aura potentiellement plus de micro-algues, mais sachant que c'est pas le seul effet, sa température joue aussi. Donc il peut y avoir c'est un rôle qui est pris en compte, notamment tous les modèles au niveau du changement climatique. Dès maintenant, elles ont un rôle essentiel, c'est à savoir que dans l'océan, notamment, c'est le premier maillon de la chaîne alimentaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, le phytoplancton. Le phytoplancton permet d'alimenter toute la chaîne trophique des océans. Et donc, c'est le premier convertisseur, quelque part biologique, de la lumière solaire, parce qu'il leur faut, pour faire la photosynthèse, de la lumière. Donc là, c'est le soleil. Donc, elles vont convertir le soleil en présence de CO2 et de quelques nutriments. Elles vont faire de la biomasse qui va ensuite rentrer dans la chaîne trophique. Donc rôle essentiel, encore aujourd'hui, on ne pourrait pas s'en passer. Maintenant, on ne connaît pas depuis si longtemps que ça, et pourquoi on s'y intéresse de plus en plus ? Parce qu'en fait, au niveau de la photosynthèse et au niveau de la conversion photosynthétique, c'est actuellement ce qui est le plus efficace de recenser au monde, en termes de performance, en termes de conversion de biomasse, de lumière en biomasse. Donc vous avez ici ce qu'on appelle des productivités, donc combien on va produire par unité de surface et par an, par hectare et par an. Si on compare les plantes classiques aux micro-algues, le potentiel maximum, on voit qu'il est plus élevé. Il y a à peu près un facteur 2 sur le potentiel maximum. On va pouvoir ensuite, je vais détailler ça, mais faire aussi des combinés, enfin s'appuyer sur la caractéristique de la croissance de la photosynthèse pour avoir d'autres effets induits qui vont être intéressants, notamment le traitement des fluents, j'en parlerai tout à l'heure. Et puis, grâce à cette biodiversité, on va pouvoir, comme ça, aborder un tas d'applications différentes. J'en balaye quelques-unes aujourd'hui. De l'alimentation, on a vu que c'était la chaîne trophique, mais aussi, comme toutes les plantes, on peut en faire soit des biocarburants, c'est l'exemple du colza, par exemple, sur les plantes supérieures ou le tournesol, mais on peut aussi en faire tout d'autres additifs, notamment en chimie verte. Donc, on va pouvoir, comme ça, grâce à la biodiversité, avoir toutes les applications qui vont pouvoir apparaître. Alors ici, sur la photo que vous avez en bas à droite, vous voyez un peu ce que ça représente. Alors, je verrai aussi tout à l'heure comment on les cultive, mais vous voyez que ça fait aussi... les systèmes de culture, c'est ce que vous voyez bien au centre, là, c'est complètement différent de l'agriculture traditionnelle. Ça va avoir aussi un autre intérêt, notamment au niveau de la pollution des sols, c'est qu'on est sur des cultures dites hors-sol, dans des bassins, et on limite les rejets, donc on n'a pas de pollution des nappes phréatiques grâce à ce type de technologie. Si je fais un premier zoom sur l'application qui a fait connaître, et puis si vous connaissez la spiruline, c'est principalement parce que je pense que vous l'avez minimum vu sur les marchés, voire vous en avez déjà consommé, et c'est donc l'alimentation. Donc une grande composition, j'ai l'habitude de dire aux étudiants, il y a autant de différences chez les micro-algues que dans toutes les plantes, donc autant de différences entre un plant de tomate et un chêne qu'entre deux espèces de micro-algues. Donc vous allez trouver des micro-algues qui vont être bonnes pour votre alimentation, donc les légumes par exemple, qu'on a dans l'équivalent des légumes,
alors que d'autres seront plutôt dédiés à d'autres applications, j'y reviendrai tout à l'heure, notamment carburant. Mais après, si vous regardez sur ce sujet purement alimentation, donc c'est toutes les espèces qui sont là en italique, là, avec des noms, des très beaux noms latins. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'en fait, on va avoir des compositions différentes. On va pouvoir avoir des espèces plutôt riches en protéines, c'est le cas de la spiruline, 60% de protéines, si vous regardez, largement supérieure à tout, y compris la viande même, en termes de teneur en protéines, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Mais on va en trouver d'autres qui vont être aussi riches en lipides. Et on va notamment trouver les oméga-3, dont on parle beaucoup aussi, pour l'alimentation humaine. Oméga-3 qu'on trouve où ? Dans les huiles de poisson, par exemple. Mais les huiles de poisson, si c'est dans les huiles de poisson, c'est parce que ces fameux poissons ont mangé des micro-algues avant. Donc ce sont les micro-algues qui ont fait les oméga-3 qui se retrouvent ensuite dans les poissons parce que c'est accumulé dans leur graisse. Donc elles produisent ces oméga-3 aussi qu'on recherche. Puis aussi des tas d'autres choses, de vitamines, ce qu'on appelle des polysaccharides, enfin des sucres. Et enfin, voilà, on va pouvoir trouver une grande diversité et comme ça adapter les produits. Alors voici quelques exemples. Il y en a plein, hein. Il y a déjà plein de produits commerciaux qui existent. Donc on retrouve la spiruline en haut à gauche, que je parlais tout à l'heure, donc l'ambassadrice. Vous la trouvez souvent sous forme comme ça, soit de gélules, soit en poudre. C'est comme ça qu'elle est, elle est conditionnée souvent. Mais on en fait aussi des produits beaucoup, enfin, plus originaux, plus récents aussi, parce que les Aztèques mangeaient déjà de la spiruline, donc on est quand même sur des applications plus nouvelles. Vous voyez là sur les petites ampoules bleues là, c'est un de nos partenaires industriels AlgoSource qui a implanté dans la région près de Guérande et qu'on a accompagné leur développement sur la partie recherche, et là ce sont des extraits de spiruline, donc c'est un pigment bleu, vous voyez le vert en haut là, donc qui est rempli d'un pigment assez original qui est notamment entre le rouge et le, enfin avec des rouges et bleus suivant le soleil. Et ce sont ce qu'on appelle des phycobiliprotéines, on en retrouve plusieurs dans plusieurs espèces, et qui ont des vertus notamment, parce que ce sont des antioxydants, et qui ont des vertus pour la santé. Donc au sein même notamment du CHU et aussi de ce bâtiment-là, il y a des recherches actuellement pour regarder l'intérêt de cette phycocyanine, donc il y a un extrait en fait de spiruline, l'extrait de l'actif, donc le composé qui est le plus intéressant finalement pour la santé. On l'extrait, on le concentre, typiquement des choses, ce qu'on appelle à partir de procédés, Et ensuite, on regarde, une fois qu'il est concentré, on peut avoir des effets sur la santé qui sont beaucoup plus forts que la simple nutrition. Donc il y a actuellement des essais ici, comme je disais, sur l'homme, pour voir les effets, notamment sur le foie ou sur d'autres organes en termes d'aliments, de compléments alimentaires. D'autres exemples, la Haemetococcus, une algue une algue rouge, grâce ou à cause, je ne sais pas, d'elle, que... C'est de elle, en tout cas, que vient la légende des larmes de sang de la Vierge. Parce que quand il pleut, son nom pluvialis, c'est à cause de ça. C'est qu'elle a tendance à rester sur le sol. Et quand il pleut, elle se développe. Les flaques d'eau deviennent rouges. Et c'est ce qu'on supposait avant être les larmes de sang de la Vierge. En fait, c'est juste la micro-algue qui était là en état de résistance. Et juste quand il y a de l'eau et du soleil, elle se met à se développer. La flaque d'eau devient rouge. Et d'une aliella, celle qu'on retrouve, j'ai évoqué tout à l'heure, qu'on retrouve à Guérande notamment, ou dans quasiment tous les marais salants du monde, en Afrique, en Australie, etc., et qui fait du bêta-carotène. Alors pourquoi toute cette différence ? C'est parce qu'on va retrouver les espèces à différents niveaux, dans la mer notamment, et donc comme elles sont à différents niveaux, elles vont développer des pigments différents. Leurs copines qui sont à des épaisseurs moins grandes vont capter quasiment toutes les longueurs d'onde du soleil, mais après, celles qui sont les plus dans les profondeurs vont avoir développé des pigments complémentaires pour aller chercher les longueurs d'onde différentes. Donc on va retrouver des pigments finalement qui seront complètement différents des plantes supérieures parce qu'on n'a pas ces phénomènes-là, ces effets de colonne d'eau, on ne les a pas dans les plantes terrestres. Donc notamment la spiruline, son pigment bleu, phycobiliprotéine, c'est quasiment exclusif à cette souche-là. Et en tout cas, c'est exclusif dans le domaine des microalgues. Donc c'est ce type d'application qu'on recherche aussi, notamment dans le domaine médical, parce qu'on a accès à des molécules complètement nouvelles, finalement. Là, je saute. Alors, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez... Ou tout à l'heure, non, c'est tout à l'heure que c'est prévu. J'ai l'habitude d'interagir avec mes étudiants, mais on fera ça tout à l'heure. Donc notez-les bien vos questions, parce que là, je change complètement de sujet, même si je garde les micro-algues, je passe au biocarburant. Donc la nutrition, ok, bien connue, je disais les Aztèques, j'ai dit rapidement, mais les Aztèques en mangeaient déjà il y a très longtemps, c'était leur source principale parce que la spiruline pousse naturellement en Amérique du Sud.
et Amérique centrale. Donc, biocarburant, c'est beaucoup plus récent. Là, on a fait quelques siècles, un bond de quelques siècles, et voir, on commence à se projeter dans des applications futuristes, parce que vous ne trouvez pas de biocarburant actuellement de microalgues à la pompe, que ce soit en France ou ailleurs, il n'y en a pas encore. Par contre, on s'y intéresse. Alors, au niveau de notre laboratoire, c'est un peu notre fil rouge depuis plus d'une vingtaine d'années. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est pour ça que là, notre plateforme Algosolis à Saint-Nazaire a été créée. Mais c'est ce qu'on envisage comme une des voies potentielles des biocarburants, en particulier des biocarburants liquides. Alors, les microalgues peuvent faire quasiment tous les carburants, y compris l'hydrogène, via la photosynthèse. C'est le premier sujet qu'on avait fait au laboratoire. C'est comme ça que j'ai démarré mes recherches. Maintenant, sur l'hydrogène, il y a des moyens beaucoup plus efficaces de le faire. Donc, on a encore des sujets dessus, mais ce n'est pas pour tout de suite. Par contre, à beaucoup plus court terme, on appelle les biocarburants liquides. On a vu tout à l'heure que les algues étaient capables de produire des lipides ou des sucres. Ben, ces lipides ou ces sucres, on peut en faire soit du biodiesel, soit du bioéthanol, suivant la conversion qu'on met derrière. Il suffit de les produire quelque part, entre guillemets. On va voir que ce n'est pas si simple, mais il suffit de les produire. L'intérêt derrière, c'est que on peut avoir une production durable, parce que notamment, contrairement à l'agriculture, on ne va pas rentrer en compétition avec l'agriculture traditionnelle au niveau de l'alimentation. L'alimentation à grande échelle pour l'avenir, c'est aussi un enjeu, avec une population croissante. Mais tout autant que l'énergie, parce que les deux augmentent en même temps. Donc la compétition, ce qu'on appelle la compétition des sols, l'usage des sols, à l'avenir, c'est un vrai sujet. Comment utiliser au mieux les sols, en plus du fait qu'on a besoin d'habiter dessus. Derrière, il va falloir commencer à regarder, se poser la question d'utiliser les meilleures ressources pour un usage donné. Donc les microalgues vont permettre comme ça d'avoir déjà des rendements à l'hectare plus importants, on l'a vu tout à l'heure, et je redonnerai des valeurs après en termes de biocarburant. Mais ça va permettre aussi d'intensifier la production sans impacter le sol, et notamment les nappes phréatiques et les rejets ensuite qu'il y a dans l'eau et dans les océans, dans l'environnement. Et ça, c'est important, parce que derrière, si on commence à produire à très grande échelle des biocarburants, donc quand on parle très grande, et les carburants, l'énergie, c'est vraiment des domaines à très très grande échelle, vu les besoins qu'on a, derrière, tout choix qu'on fera technologique aura un impact, enfin pourra avoir un impact sur l'environnement, et on pourra avoir une solution, ça j'y reviendrai tout à l'heure aussi, une solution qu'on pense être bonne au départ et qui finalement est pire que ce qu'on avait. Et donc les microalgues permettent au moins sur ce sujet d'usage des sols d'apporter des débuts de solutions. Alors à ce classe, dans ce qu'on appelle les... Alors il y a toute une classification qui a été faite il y a quelques années, autour, c'est ce qu'on appelle les carburants dits de troisième génération, les biocarburants dits de troisième génération. La première génération, c'est ceux qu'on retrouve à la pompe en complément actuellement. Donc on va utiliser des plantes qu'on connaît, qui font soit beaucoup de sucre, typiquement les betteraves ou le maïs, ou soit beaucoup de lipides, tournesol ou colza. On extrait l'huile, par exemple, on convertit ça et on fait du biodiesel. Ou de l'essence, enfin le bioéthanol qu'on retrouve aussi à la pompe depuis peu. Là, on a des pompes à... Enfin, l'éthanol qui est quasi pur à la pompe. Ça, l'inconvénient, c'est que ces carburants de première génération, c'est compétition directe avec l'alimentation. C'est que si on se projette, alors c'est pas le cas aujourd'hui, mais si on se projette à 20-30 ans, il faudra faire des choix entre l'alimentaire et l'énergie. Donc ça va poser souci. Avec déjà des problèmes qu'on a recensés, notamment dans les zones où ça se développe bien, dans la partie équatoriale, notamment dans l'Indonésie et autres, avec la déforestation qu'on peut retrouver avec l'utilisation à outrance du palmier à huile, par exemple, qui est le plus gros producteur d'huile en termes de plantes supérieures. Donc, première génération, l'Europe a dit que non, il ne faudrait pas, et puis comme beaucoup de pays, non, ça peut être que transitoire en additif, mais il va falloir changer. Donc actuellement, on travaille sur la deuxième génération, c'est qu'on utilise toujours les plantes supérieures, mais la partie non comestible, les tiges par exemple. C'est des procédés assez lourds, mais ça, actuellement, les premiers démonstrateurs en France sont créés là-dessus. Alors, nous, on ne travaille pas sur cette technologie-là, mais c'est en train d'être mis en place. Là, on utilise plutôt donc, les déchets de l'agriculture, par exemple. Et la troisième génération, donc microalgues, c'est en fait des organismes qui sont dédiés à ça. Alors on l'a vu que ça peut servir à l'alimentation, donc on pourrait dire quelque part qu'on est en compétition avec l'alimentation, mais je ne pense pas que qui que ce soit ici se nourrisse plus de 50% de microalgues tous les jours. Donc on ne peut pas dire que les microalgues, ça soit une source primaire d'alimentation. C'est un complément nutritionnel, mais ce n'est pas une source primaire d'alimentation. On verra tout à l'heure, d'ailleurs j'ai quelques chiffres à vous donner, mais ça n'a rien à voir.
Donc là, la troisième génération, c'est qu'on va produire des organismes, en tout cas des végétaux, dédiés à ça, dédiés au carburant. Alors, bien sûr, comme c'est troisième génération, ben c'est celle qui arrivera après les deux autres. Et donc, ce n'est pas tout de suite. Par contre, si on regarde en termes de potentiel, vous l'avez ici. Alors, il y a plusieurs chiffres ici. Je ne vous demande pas forcément de tout regarder. Ça, c'est issu d'un programme. On a plusieurs programmes de recherche, pas que chez nous, mais en collaboration avec d'autres, au niveau international ou national. Là, on a un peu actuellement nos deux souches de référence issues d'un criblage de la biodiversité élargie. On en a une en souche marine, une en souche d'eau douce, pour avoir deux options de production. Et vous avez surtout, là, ce qui est encadré, là, le potentiel. Alors, vous voyez, on a à peu près entre une dizaine de tonnes. Artax, ce sont c'est les lipides qui servent à faire biodiesel. C'est les triacylglycérols. 10 tonnes à peu près de lipides, on va dire, par hectare et par an. Voilà ce que ça permet de produire. Maintenant, si on compare aux plantes terrestres, là, je m'intéresse qu'à la partie intéressante pour le carburant. Donc, la partie intéressante pour le champion, c'est le palmier à huile, en particulier quand il est cultivé dans la blande équatoriale, Indonésie, ce que j'ai dit tout à l'heure. Là, on arrive quasiment au maximum à 6 tonnes d'huile par hectare et par an, ce qui est important pour une plante supérieure. Donc, c'est vraiment un champion. L'inconvénient, c'est qu'il pousse quasiment exclusivement dans une bande géographique. Et du coup, ça amène de la déforestation derrière, immédiatement. On ne peut pas le produire partout. Ça va être différent des microalgues qui vont être cultivées hors sol dans des technologies spécifiques, on le verra après, et qu'on pourra produire partout dans le monde. Alors plus ou moins efficacement suivant le soleil disponible, mais on n'a pas cette limite géographique de production. Là, les chiffres que vous avez, c'est des productions à Saint-Nazaire. Donc Saint-Nazaire, ce n'est pas l'Équateur. On est bien, bien loin, mais on a quand même des productivités intéressantes. Et on produit surtout plus, donc x3, x10 par rapport à ce que font les plantes supérieures. Donc dans la logique de compétition à l'accès à la surface, plus tard, ça a un vrai sens du coup. Maintenant, qu'est-ce qui nous reste comme chemin à faire pour en faire quelque part une réalité industrielle? Comme je disais tout à l'heure, vous n'en trouvez pas à la pompe aujourd'hui, parce que personne ne produit à très grande échelle. Y a un sujet sur les souches. On a commencé à faire ça via la diversité. Donc, il y a un sujet sur les systèmes d'exploitation. Alors, ça va être le cœur de ce qu'on fait au niveau de notre laboratoire. On travaille en génie des procédés. Donc, le procédé, c'est le système d'exploitation industriel. Donc, ça, j'ai pas mal le détaillé. Puis ensuite, une fois que c'est fait, on va pouvoir mettre en adéquation ça au moteur. Alors, que ce soit carburant liquide, c'est plutôt pour tout ce qui est terrestre et aviation aussi. Et puis ensuite, changer d'échelle, industrialiser et commercialiser l'ensemble. Là, on est sur des sujets qui sont beaucoup moins liés à la recherche. Sur la partie sélection de souches, en fait, on a déjà criblé la biodiversité, c'est-à-dire regarder ce qui était autour de nous, ce qui était connu. On ne connaît pas tout des algues, mais ce qui était connu, et on a été chercher les meilleurs. Maintenant, il y a tous des projets qui sont encore en cours autour de ce qu'on appelle faire l'évolution, en fait, l'évolution accélérée de ces souches. C'est tout simplement ce qui a été fait au fur et à mesure des années, au niveau du maïs. Là, vous avez l'ancêtre du maïs, la théosinte, et le maïs qu'on connaît actuellement. On est passé de suite gauche à suite droite, comment ? Par l'agriculture, par le choix, au fur et à mesure des siècles, des graines, des pratiques de culture. Donc on a sélectionné, on a fait ce qu'on appelle la sélection variétale, et on a finalement créé une autre espèce, quelque part, qui est une évolution de l'autre, qui est dédié en fait à la production des épis de maïs, d'où leur taille, parce que c'est ce qui nous intéresse. Le reste, ne nous intéresse pas. Maintenant, si vous remettez ce maïs dans la nature, il va rapidement péricliter, parce qu'il va se faire consommer par tout ce qu'il y a autour, animaux compris, et il va rapidement disparaître. Donc c'est pour ça qu'on arrive après, si on doit produire du maïs, il y a toute l'agriculture qui va derrière, avec devoir traiter le champ, etc., etc., et éviter l'écoculture, enfin avoir une production intensive spécifique du maïs. Mais l'évolution, voilà, la sélection au fur et à mesure des ans nous a permis de faire ça. Alors maintenant, on n'a pas 10 000 ans. Enfin, je ne pense pas qu'on ait encore 10 000 ans pour se questionner là-dessus. Et il va falloir qu'on fasse ça vite, parce que les enjeux de l'énergie, c'est demain. Alors, peut-être après-demain, mais en tout cas pas dans 10 000 ans. Donc là, on a tous des outils modernes qui existent dans la science, qui sont la sélection variétale au débit, rapide, et l'idée, c'est de sélectionner des souches
en gros où on est à gauche actuellement, c'est les souches que je vous ai présentées avant, à en faire des souches ultra productrices de sources énergétiques, notamment le lipide par exemple, si on veut faire des biocarburants type biodiesel. Donc là, c'est les outils de la biotech moderne associant la génétique et le criblage au débit de souches. Donc là, il y a un enjeu. Alors, ce n'est pas forcément là-dessus qu'on travaille, mais il y a un enjeu dessus. Nous, comme je disais, on est plutôt sur les sujets de procédés, de changement d'échelle, de production industrielle. Donc là, je vous montre ce qui a été fait, en fait, qui est l'exemple français, le premier exemple français de production de biocarburant à partir de microalgues. On ne l'a pas fait que notre laboratoire. Vous avez tous les partenaires qui sont cités, oui, il me semble. Et en fait, la première production, elle a été faite, vous vous souvenez, tout à l'heure, j'ai évoqué très rapidement sur la spiruline, AlgoSource. Et en fait, ce sont eux qui ont fait la production de biocarburant en France. Donc ça a été fait dans la région de Guérande. Vous avez ici le bassin de culture de l'algue. Donc l'algue a été choisie dans le projet, on a mis en place les process. On a extrait l'huile, c'est ce que vous voyez dans le bocal rouge là au milieu. Là. Ensuite, on a passé ça, ce qu'on appelle en transestérification, ça permet de passer des huiles qui sont assez visqueuses en un biodiesel qui est compatible avec les carburants. Et finalement, ça a été testé via le partenaire industriel, en l'occurrence c'était le groupe PSA, donc Peugeot Citroën, qui a testé ça dans ses nouveaux moteurs HDI, enfin les nouveaux de l'époque, pour voir s'il y avait adéquation. Et le résultat avait été concluant, c'est-à-dire que le moteur, en termes d'émissions, etc., tournait très bien. Et donc, ce qui a été montré, c'est qu'on pouvait faire très bien un biocarburant, un biodiesel à partir de microalgues, il n'y avait aucun problème d'adéquation moteur, ça fonctionnait bien. En fait, le souci, il n'a pas été là. C'est qu'en parallèle de tout ça, de montrer que c'était faisable, on a tout mesuré, et notamment les énergies consommées. Et on s'est retrouvé à la fin avec un bilan énergétique négatif, on s'y attendait un peu, mais pas à ce point-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de plus d'énergie pour faire le biocarburant final que l'énergie qu'on récupère dans le carburant lui-même à la fin. Donc ça, c'est opposé, quelque part, avec l'idée d'avoir un process industriel durable, si on se projette dans le temps, c'est-à-dire qu'on consommera plus d'énergie que ce qu'on récupérera à la fin, donc forcément, on n'est pas durable, si on se projette à très long terme. Donc, on est revenu à la paillasse pour pouvoir trouver d'autres process. Alors, je vais y revenir après, mais avant de vous dire ça, alors c'est un temps transparent un peu chargé, que je présente aux étudiants mais en détail, mais là, je vais vous le faire très court. C'est juste pour vous donner un peu l'enjeu, la petite fenêtre de tir qu'on a si on veut chercher la durabilité. En fait, si je prends les contenus énergétiques de la biomasse d'algues, combien j'ai d'énergie dans un kilo d'algues? Alors ça, on le connaît, c'est quasiment d'ailleurs pareil que chez les plantes supérieures, elles ne sont pas différentes là-dessus. On a à peu près 20 mégajoules par kilo, c'est classique sur tous les végétaux. On sait combien on produit au maximum de microalgues par mètre carré par jour, ou par tonne hectare, comme j'ai tout à l'heure, donc les 40-100 tonnes hectare que j'ai évoqué tout à l'heure, ben si vous combinez les deux, vous savez au maximum ce que vous pouvez récupérer, tout étant optimisé, au maximum ce que vous pouvez récupérer dans votre biomasse. On a, alors je vous prends juste un chiffre là, c'est le sens, celui qui est marqué en bas là, en fait, tout calcul fait, on a à peu près 150 watt-heure énergie par mètre carré par jour de disponible. Alors vous n'êtes peut-être pas familier avec vos factures électriques que vous avez régulièrement, plus par le prix que par les watt-heure qui est en face, mais 150 watt-heure mètre carré jour, en fait, c'est 10 fois ce que consomme, vous voyez en bas, un ordinateur portable utilisé 6 heures par jour. Donc pour faire tout notre process, là que vous avez vu avant, les bassins, l'extraction, la conversion des biocarburants, on a l'énergie, là, on a 10 fois moins que l'énergie d'un ordinateur portable, celui que j'ai là, que j'utiliserai 6 heures par jour. Donc il y a une toute petite fenêtre, on n'a pas beaucoup d'énergie disponible, donc ça veut dire que l'enjeu énergétique, il est essentiel, et il va falloir qu'on travaille sur toutes les consommations énergétiques de toutes les étapes pour faire que ça fonctionne à la fin. Alors dit comme ça, quand on fait ce calcul-là, en général, quand je présente ça à mes étudiants, il y en a toujours un ou deux qui me dit « c'est foutu ». Alors bon, on va être optimiste un petit peu, je dis non, c'est pas foutu, ça sera dur, mais c'est pas foutu. Alors, ça veut dire derrière qu'il faut qu'on change de paradigme, et de technologique, et qu'on change d'approche. Ça, c'est ce qu'on a fait dans le projet d'avant, là, projet ce qu'on appelle SAMASH, le premier projet biocarburant. Ça, c'est le process classique. On voit très rapidement, en fait, sans rentrer dans le détail, que ça ne marchera jamais, parce que, notamment à cause de l'eau.
Les algues, ça pousse dans l'eau, c'est leur caractéristique. Ça pousse dans l'eau, et derrière, si on veut faire l'extraction d'huile, il faut travailler sur la biomasse sèche, il faut évaporer l'eau, et puis évaporer l'eau, c'est énormément d'énergie. Quand vous avez une biomasse qui a 90% d'eau, et en plus on est plus proche de 99,9% que de 90%, ben derrière, on ne peut rien y faire, c'est l'énergie, c'est la chaleur latente d'évaporation de l'eau, et là, il faut y mettre, faut y mettre la dose. Donc, en fait, rien que sur cette étape-là de séchage de la biomasse, on était déjà foutu, quoi. Donc, il faut changer d'approche. Alors, ce qu'on a proposé, on est revenu, comme je disais tout à l'heure, à notre paillasse. Bon, ça nous a pris un petit peu, c'est jamais si facile, la recherche. Hein. Ça a pris quelques temps de calcul, de regarder. On a travaillé à l'époque avec Total Energy maintenant, mais avec Total, pour analyser tout ce qui se faisait dans le monde et toutes les approches avec un espèce de gros modèle où on rentrait tout ce qui était possible dedans pour trouver la voie technologique qui nous permettrait d'atteindre la cible de bilan énergétique positif. En fait, il y a deux... Allez, ici, là. C'est là-dessus qu'on travaille maintenant depuis plus de 10 ans. C'est la combinaison de deux étapes clés que je vais revenir, à savoir les deux qui sont encadrées, ce qu'on appelle les photobioreacteurs intensifiés, d'un côté, et de l'autre côté, l'extraction dite en voie humide. Alors, je ne vais pas vous faire trop de détails, mais juste pour vous faire voir comment ça nous amène en fait à penser différemment. Alors, si je fais le zoom sur la première étape clé, en fait, ça se comprend assez facilement. L'idée, c'est de diminuer vraiment la quantité d'eau. Moins il y aura d'eau à la fin dans le process, et moins on aura évaporé, enfin si on doit évaporer, parce qu'on va même voir après qu'on s'affranchisse de cette étape d'évaporation, mais en fait, même moins on va utiliser d'eau, et mieux ce sera. Pourquoi ? Parce que l'eau, tout ce qui est du volume, c'est beaucoup d'énergie dans l'industrie. Il faut brasser, il faut pomper, etc. etc. Donc, plus il y a de volume, quasiment tout est proportionnel au volume. Donc si vous gagnez en volume, vous gagnez en énergie consommée. Donc une culture d'algues, alors il n'y a pas le bas du slide, mais une culture d'algues, c'est à peu près entre 50 et 150 litres d'eau par mètre carré. C'est un bassin comme ça, comme vous voyez là. Un bassin où les algues poussent. Si je regarde la nature, une feuille, c'est l'exemple extrême de la diminution en fait, du volume par rapport à la surface de captation du soleil. C'est la feuille. La feuille, c'est à peu près, vous n'avez pas le chiffre non plus, mais c'est 0,5 litres par mètre carré, une feuille. Donc j'ai 150 actuellement que j'utilise pour les algues, ce sont des bassins, c'est en milieu aqueux, c'est brassé, et je passe à une feuille, c'est un milieu solide, je ne suis plus qu'à 0,5. Bon, l'idée c'est de tendre vers la feuille, sauf qu'il faut qu'on reste en milieu liquide, parce que c'est le principe de croissance des algues. Donc ce qu'on a proposé, il y a différentes technologies qui sont proposées dans le monde, la nôtre c'est celle-ci. Alors là, c'est le petit système, actuellement on est en train d'en faire un de 100 mètres carrés sur Saint-Nazaire. C'est le système qu'on a appelé AlgoFilm, en fait, qui permet en fait, de cultiver les algues sur un film très masse. Il fait à peu près 3 mm d'épaisseur, donc c'est ce qu'on appelle un film ruisselant, c'est-à-dire que les algues coulent sur un plan légèrement incliné qu'on voit là. Et ça permet de faire un film assez fin et de capter le soleil comme un panneau photovoltaïque et donc de convertir par la biologie, la photosynthèse, la lumière en soleil dans une épaisseur très fine. Là, on est à peu près à 2 litres par mètre carré. Alors, on n'est pas arrivé au niveau des feuilles, mais comme je disais, ce n'est pas possible parce que les feuilles, c'est solide à la fin. Donc, mais par contre, on y tend quand même très fort. On est passé donc de 150 litres à 2 litres par mètre carré. Donc, on a quand même pas mal réduit, plus de 70 fois le volume nécessaire. Et ben là, quand vous faites ça, vous gagnez quasiment un facteur 70 sur la consommation énergétique. Je vous ai dit que c'était proportionnel, et c'est vrai. Donc, derrière, vous gagnez énormément. Mais même comme ça, ce n'est pas suffisant. Donc il faut un deuxième levier, un levier technologique. Et le deuxième levier, alors c'est un peu plus compliqué, mais c'est ce qu'on appelle l'extraction en voie humide. Donc là, l'idée c'est de pouvoir récupérer, extraire les lipides, enfin les gouttelettes de lipides qui sont dans les algues, mais sans retirer l'eau. Alors, on extrait très bien des lipides de quelque chose qui est sec. C'est comme ça qu'on fait quasiment toutes les huiles dans le monde, par pressage, par exemple des graines, etc., du colza, on récupère l'huile à la fin. Bon, presser des algues, c'est micrométrique, ça devient un peu difficile, et surtout dans de l'eau, c'est incompressible, donc ça devient quasiment impossible. Donc en fait, l'idée, c'est de rester en présence d'eau. Ceci, on doit l'évaporer, ben derrière, on consomme de l'énergie. Mais ça va être de casser tout simplement les algues dans la solution aqueuse, enfin dans leur milieu de culture, libérer les gouttelettes d'huile, et ensuite aller chercher cette huile dedans.
La difficulté, c'est que l'huile est ultra dispersée. On ne voit pas des gouttelettes d'huile qui sortent comme ça à l'œil. On est à l'échelle du micromètre qu'on va travailler. Donc il faut développer des procédés à la fois de destruction cellulaire, ça on sait faire, et d'extraction qui fonctionnent bien en milieu aqueux. Et donc là, je vous épargne les détails, mais il y a un enjeu assez important pour trouver la technologie. Alors c'est du transfert de matière, c'est des recherches de solvants qui sont aussi propres pour l'environnement et qui sont recyclables. Donc il y a tous des enjeux autour de ce qu'on appelle l'extraction en voie humide sur lequel on travaille. On a au moins 3-4 thèses qui ont été passées sur ce sujet-là. Mais c'est le deuxième levier. Et si je combine ces deux leviers-là, toujours pareil, on revient, on était à la paillasse, on a dit peut-être que c'était ça, alors ça nous a pris 2-3 ans, la solution, après on refait nos calculs pour savoir si finalement est-ce que la solution elle est bonne. Sinon ça ne sert à rien qu'on se lance avec 10 thèses derrière ou 4 projets de recherche si c'est pour aller dans le mur. Donc on refait une analyse énergétique, alors il y a plusieurs effets, il y a les gaz à effet de serre qui sont produits, l'usage des sols, etc. Enfin, beaucoup de critères au niveau du développement durable. Mais celui qui nous importe aujourd'hui, c'est la partie bilan énergétique. Donc on voit ici le 2,5-3,4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à ce process-là, en théorie, on peut produire entre 2,5 fois plus d'énergie que ce qu'on consomme dans le process. Donc on est passé sur un bilan énergétique positif. Tout à l'heure on était négatif, maintenant on est passé dans le positif. Et on a un facteur 2 au-dessus. À 3, si on est vraiment encore plus optimiste. Là, on peut envisager du process durable. Donc, au départ, on part perdant, parce qu'on se dit, l'enjeu est important, puis finalement, on gagne vite des facteurs quand on change un peu de technologie, sans forcément, en plus, aller chercher des trucs hyper originaux. Couche mince, extraction en voie humide. On combine les deux, on arrive à avoir un horizon qui s'éclaircit, on va dire, et avoir, en tout cas, quelque chose qui pourrait être durable dans l'avenir. Donc c'est là-dessus, évidemment, qu'actuellement on travaille sur ces voies-là, et on va re-rencontrer d'ailleurs bientôt nos partenaires industriels pour savoir si c'est quelque chose sur lequel on est prêt à retravailler ensemble, maintenant qu'on a fait une petite parenthèse de quasiment une dizaine d'années de recherche, pour trouver d'autres alternatives. Alors, c'est pas le seul... Les biocarburants, c'est, comme je disais, c'est le fil rouge de notre laboratoire depuis longtemps. Mais il y a aussi d'autres intérêts aux microalgues qui sont entre guillemets intérêts intermédiaires, mais qui se combinent en fait à ça. Et pareil, on y travaille depuis longtemps, mais qui font un écho aujourd'hui beaucoup plus fortement. C'est tous les enjeux du réchauffement climatique. Vous n'êtes pas le sans savoir, l'actualité était assez chargée ces derniers mois et années sur ce sujet, et en particulier avec les dérèglements climatiques, donc toutes les crises qu'on commence à voir. Intempéries, etc., de par le monde, ou vagues de chaleur. Maintenant, il n'y a plus de sujet sur savoir l'origine de ça. Donc, l'homme a une contribution importante, notamment au niveau de ses émissions des gaz à effet de serre, en particulier du CO2. Et CO2 qui vient en grande partie de l'industrie et de la consommation de carburants fossiles qui, j'ouvre la parenthèse, viennent des microalgues, encore une fois, mais qui, bien malgré elles, parce qu'on va aller les chercher au fond des océans et dans toutes les zones pétrolières du monde. Donc on les brûle, le CO2 repart à l'atmosphère. Bon, donc maintenant, si je reviens un peu, on va dire, aux fondamentaux de la photosynthèse, la croissance de la photosynthèse, c'est ça. Si vous avez fait un peu de chimie, là, on voit qu'en fait, la biomasse, c'est le grand truc CHO, etc., là, qui est à droite. Ça, c'est la biomasse de microalgues, c'est quasiment comme une biomasse de végétaux. Mais ce qu'on a besoin, c'est du CO2 pour faire la photosynthèse. Et on a besoin aussi de sources de soufre, donc des sulfates, des sources d'azote, donc des nitrates ou de l'ammonium, et une source de phosphore, du phosphate. Quand j'ai dit ça, phosphate, nitrate, sulfate, on pense tout de suite à des rejets de l'industrie aussi, en traitement d'eau. On rejette beaucoup de nitrate, on rejette beaucoup de phosphate. C'est comme ça qu'on pollue aussi certaines zones. Qu'on a des marées vertes, par exemple, qui ne sont pas dues aux microalgues, mais aux macroalgues vertes en Bretagne, par exemple. C'est en grande partie lié au rejet d'azote et de phosphore. Vous avez du soleil, même en Bretagne, il y a du soleil. Vous avez du soleil, vous avez des nitrates et des phosphates, pouf, ça se développe, et vous avez des marées vertes.
et ce ne sont pas les microalgues, parce qu'on ne les verrait pas en fait, les microalgues. Donc ce n'est pas elles, ce sont les macroalgues, donc les grandes algues, les algues qu'on connaît, les algues d'échouage. Et donc on a besoin de ça, elles ont besoin de ça surtout elles, nitrates, etc., et aussi du CO2. Et donc ça veut dire derrière que ça, bah je peux m'en servir intelligemment pour faire ce qu'on appelle de l'écologie industrielle, c'est-à-dire que je vais cultiver les algues sur des déchets industriels, enfin des déchets de l'industrie, alors soit des eaux usées, où je trouvais nitrate et phosphate, et, ou du CO2, CO2 qui va venir des fumées de combustion par exemple, donc des cheminées. On récupère le CO2 qu'il y a dedans, et ben, je peux consommer comme ça le CO2 et en faire des microalgues. Vous avez à peu près dans l'ordre de grandeur, ici, de combien ça consomme. Ça ne va pas faire non plus des miracles, hein, ça ne va pas consommer tous les déchets qu'on va pouvoir produire dans le monde, on en produit beaucoup trop, hélas. Mais nitrate, par exemple, ben, vous allez consommer 400 grammes de nitrate par kilo d'algues. Il faudra, de toute façon, si vous voulez un kilo d'algues, il faudra fournir 400 grammes de nitrate. Donc soit vous le fournissez, vous l'achetez en produits chimiques et vous le mettez dans votre bassin et elles vont consommer, soit vous allez chercher ça dans les eaux usées. Et elles le consommeront de toute façon, elles ont besoin de ça, elles iront le chercher. CO2 est beaucoup plus important. Le CO2, beaucoup plus de besoin de CO2. Elles vont consommer entre 1,6 et 1,8 kg de CO2 par kilo d'algues. Grosse consommation donc de CO2, comme tous les végétaux d'ailleurs. C'est pour ça qu'elles ont un rôle aussi important d'ailleurs dans l'équilibre de la planète au niveau des gaz à effet de serre et des échanges de carbone. C'est par rapport à cette consommation importante. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écologie industrielle. Alors, on a plusieurs projets, je vous donnerai des exemples dessus tout à l'heure, mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça nous amène aussi au niveau industriel, parce qu'on sait que ça consomme du CO2, etc., depuis longtemps au niveau biologie. Mais au niveau industriel, ça nous amène à réfléchir différemment. Alors, je ne suis pas industriel, moi, mais les industriels se posent la question différemment. Donc par exemple, d'un côté, vous avez une industrie qui va consommer des ressources pétrolières et qui va faire du CO2. C'est ce que vous avez sur la partie de gauche. Sur la partie de droite, vous allez avoir des microalgues qui vont avoir besoin pour faire de la spiruline, par exemple, pour faire l'alimentation. Ben là, on va avoir besoin de CO2 qu'on va acheter en bouteille, qu'on va fournir ça, on va acheter ça à Air Liquide ou autre, et puis tous les nutriments aussi qu'on va apporter dedans. Et on va souvent devoir, en particulier dans nos régions, on va devoir chauffer aussi. La spiruline, ça pousse à 30-35 degrés. Ça pousse en Amérique du Sud. Donc ça pousse chez nous, il faut chauffer. Donc on chauffe sous serre. On met ça sous serre, on a près de Nantes, il y en a là. Hein. Et vous chauffez, l'hiver en particulier. Ben, l'idée, c'est d'associer les deux. Et puis de valoriser les rejets d'une industrie comme intrant, enfin comme entrée de l'autre industrie. Et c'est vraiment ce qu'on appelle vraiment l'écologie industrielle qui apparaît depuis quelques années de plus en plus fort. Chez les microalgues, ça marche très bien. Et là, vous avez du coup, vous associez deux industries qui n'ont rien à voir, un producteur d'algues, par exemple, avec un cimentier, c'est les projets qu'on a actuellement. On récupère ceux de la cimenterie, la chaleur et le CO2, mais aussi la chaleur. La chaleur, on l'envoie pour chauffer les serres, et on envoie le CO2 pour les besoins des algues. Et ce qui fait qu'à la fin, ben, vous avez... Vous avez besoin de moins de CO2, et besoin de moins d'énergie pour la culture d'algues. Donc vous émettez moins de CO2 d'un côté, vous en consommez moins de l'autre, et sur la partie chaleur, vous avez besoin de moins de ressources aussi, donc moins de consommation d'énergie, quelle qu'elle soit. Donc c'est associer deux besoins complémentaires, et associer deux industries qui n'ont rien à voir à la base. Donc entre un cimentier et un producteur de spiruline, c'est quand même deux mondes différents. Il y en a un qui va vendre dans les marchés, dans les réseaux de distribution alimentaire, et puis l'autre qui fait pour le BTP, quoi. Donc il faut faire travailler ensemble des industries qui sont, encore une fois, qui viennent de milieux différents. Alors c'est là où il y a le plus gros challenge finalement, c'est parce que ça mène à faire coexister des entreprises qui n'étaient pas avant voisines et qui doivent partager un même, ce qu'on appelle business model, enfin un même modèle de développement économique commun, où ils partagent leurs effluents et puis chacun produit ce qu'il doit produire pour son propre marché. Donc là, quelques exemples de où on en est. Donc le projet que je vous disais, c'est le projet qu'on appelle Cimental, donc comme son nom l'indique, il est autour d'une cimenterie. Il a été développé sur notre plateforme et maintenant il est en place, il est développé à l'échelle qu'on appelle démonstrateur, donc l'échelle industrielle près de Lyon, dans une cimenterie du groupe qu'on appelle du groupe Vica, avec également Total comme partenaire.
Et également, d'autres applications que je vais revoir après, qui sont des applications encore plus originales, mais qui sont sur le même concept finalement. C'est tout ce qui s'intéresse au milieu urbain, c'est limiter les rejets des bâtiments dans le milieu urbain. Donc c'est le couplage notamment du CO2 des chaudières aux cultures de micro-algues directement sur les bâtiments, ce qu'on appelle les biofaçades. Alors ces biofaçades, comment ça fonctionne? Alors, c'est aussi un autre projet intéressant sur lequel on a eu aussi plusieurs années qu'on est dessus. Alors ce n'est pas nous qui l'avons proposé à la base, ce sont des architectes, XTU Architectes, qui a proposé, en fait, dans la recherche de solutions pour avoir des bâtiments qui consomment moins d'énergie, ils se sont posé la question, ils travaillaient déjà avec les murs végétalisés, vous avez peut-être déjà sûrement vu ça, avec les plantes supérieures, ils se sont dit pourquoi pas les micro-algues. Donc ils sont venus nous voir, on a discuté, et est apparu ce concept qu'ils appellent eux de double peau, c'est-à-dire qu'on rajoute en façade de bâtiment une couche supplémentaire constituée de systèmes de culture d'algues, qu'on appelle des photobioréacteurs. En gros, c'est ce que vous voyez là, ce qui est en vert, ce sont des aquariums, alors plats pour pouvoir capter le soleil, mais dans lesquels les algues vont se développer. On le met en façade de bâtiment, la façade sud en général, là où il y a du soleil, et on va pouvoir comme ça cultiver les algues directement via ces espèces d'aquariums sur la façade du bâtiment, ce qu'on appelle donc la biofaçade. Alors il y a un intérêt, c'est que déjà on diminue les coûts parce que finalement on va partager les mêmes surfaces, hein, la surface du bâtiment et la surface de culture d'algues, au niveau du verre par exemple. Et puis on va surtout, c'est là où c'est intéressant, en particulier pour nous en tant que labo, on va pouvoir créer des échanges avec le bâtiment, on va créer ce qu'on appelle une symbiose. Alors c'était l'objet du projet d'ailleurs qui s'appelait Symbio 2, qui a visé notamment à diminuer les performances, diminuer les consommations énergétiques des bâtiments grâce aux cultures d'algues. Alors comment ça fonctionne? En fait, on crée des échanges de température, de chaleur entre la culture d'algues et le bâtiment. Il faut voir ça comme si, par exemple, l'été. L'été, en général, l'été, dans les bâtiments, dans les grands bâtiments, ça chauffe de trop, parce qu'il y a des grandes surfaces vitrées, donc on va devoir mettre de la climatisation. Bon, là, le fait de mettre des photobioréacteurs devant, des cultures d'algues, elles vont elles-mêmes capter le rayonnement solaire, et c'est elles vont faire en fait office d'écran solaire et elles vont empêcher le bâtiment de chauffer. Donc les algues vont faire office vraiment d'écran solaire. Donc du coup on diminue les besoins en climatisation. Alors quand vous faites ça dans un pays chaud, ça fonctionne bien toute l'année. Le problème de la France, enfin des pays européens en particulier, en particulier la France, c'est que l'hiver, comme en ce moment, c'est à l'inverse, on ne climatise pas nos pièces, on a besoin de chauffer. On a des grosses différences entre l'hiver et l'été. Bon, je reviens en arrière, mais c'est l'idée de ce concept de double peau. Et en fait, tout bêtement, c'est ce qu'il y a entre les deux là. Vous voyez qu'entre les deux, vous avez un espace, ce qu'on appelle une coursive. Alors cette coursive-là, en fait, l'idée, ça a été de la fermer, donc il y a des volets de chaque côté, et on va pouvoir, comme ça, ouvrir automatiquement les volets, ou pas, pour laisser passer l'air. Donc qu'est-ce qui va se passer du coup? Si le soleil arrive en plein été et que vous ouvrez les volets, en fait la chaleur est évacuée, les algues captent la chaleur, les réacteurs chauffent, mais la chaleur est évacuée, donc ça fait vraiment office de pare-soleil. Par contre, si vous fermez les volets l'hiver, au contraire, vous faites un mini effet de serre dedans, hein, ça devient un volume clos, donc les réacteurs continuent toujours à chauffer, mais du coup vous chauffez votre air, et votre air chaud est transféré au bâtiment. Donc du coup, pendant l'hiver, vous chauffez votre bâtiment. Vous faites office de capteur solaire, mais ce coup-ci, vous envoyez la chaleur dans le bâtiment. Avec une solution simple qui est adaptée au bâtiment, à savoir des simples fermetures de volets, alors c'est automatique ici, suivant la température de chaque côté. Là on voit ils sont ouverts, là. Mais quand c'est fermé ça devient complètement clos. Donc ça c'était la partie thermique. La partie thermique, et du coup ça, pour eux c'est intéressant parce que ça rentre dans des nouvelles normes d'isolation thermique, donc il y a différents projets qui ont été faits. Alors là, ça donne, ce qui est intéressant, c'est que ça donne un peu la dynamique de la recherche. On a commencé à Saint-Nazaire, ça c'est sur le toit de l'université à Gavi, à Saint-Nazaire, l'université de Nantes. 2013, le premier prototype, qui en gros loge sur l'estrade qu'il a là. Le premier pilote qui a été fait près de Paris, CSTB, donc qui est le centre scientifique de recherche sur les techniques du bâtiment, il a été fait en 2016, trois ans après. Donc vous voyez, ça c'est pas une photo, c'est une vraie photo, hein, vous voyez des photobioréacteurs qui sont implantés sur la façade. Ça permet de valider la partie thermique du bâtiment. Actuellement, et en construction, avec le Covid, il y a pris un peu de retard, mais est en construction à Paris dans le 13e, le projet InVivo, qui est le premier système commercial mis en place par les architectes dans le Paris 13e.
qui est en construction en ce moment. Enfin, s'ils arrivent à s'approvisionner, parce qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Et puis, la vision du futur, ça par contre, pour le coup, c'est une image pure futuriste d'architecte, c'est de faire ça dans les grandes villes dans le monde, de mettre des cultures de microalgues un peu partout. C'est ce qu'ils aimeraient faire. Mais ce qui est marrant, c'est de voir qu'on a démarré entre 2013, on a fini en 2019. Enfin, 2019, on n'a pas fini, on a vu le premier système commercial, il faut à peu près 6 ans. C'est à peu près toujours ces ordres de grandeur-là qu'on a en recherche entre l'idée et une première réalisation, qui n'est jamais directement le lendemain. Maintenant, on continue sur ce sujet-là. On a un projet actuellement qui est financé par le CNRS. Et de façon assez surprenante, on travaille avec le spatial là-dessus. Alors comment j'arrive à faire un lien entre mes micro-algues, mon bâtiment et le spatial ? Alors plus que le spatial, on travaille avec les gens qui font les futurs voyages habités vers Mars ou les futures bases lunaires. Donc l'Agence spatiale européenne. Alors comment on arrive à faire tout ça ? En fait, c'est le graphique qui est à droite, c'est le projet MELISSA, qui est l'Agence spatiale européenne, qui a été initié il y a une trentaine d'années déjà. On travaille avec eux depuis 20 ans, mais c'est un projet qui a 30 ans d'ancienneté, qui vise justement à développer ce qu'on appelle les boucles support-vie pour aller vers Mars, les voyages longue durée. Parce qu'il y a le poids, enfin, emmener de la matière est très, très coûteux en termes d'énergie dans l'espace. Et si on va vers Mars, il faut à peu près 18 mois à 2 ans aller-retour de voyage. Donc en fait, il faudra que l'équipage soit capable de produire une partie de ses besoins en vol. Et a été imaginé donc ce concept MELISSA, alors, qui associe des plantes supérieures, mais aussi des microalgues, pour traiter les effluents de l'équipage. Et notamment, le rôle des microalgues, c'est de produire de l'oxygène à partir du CO2 émis par les astronautes en vol. Et l'algue choisie, c'est de la spiruline. Pourquoi la spiruline ? Parce qu'elle a le bon goût, c'est le cas de le dire, d'être consommable par l'homme et d'être une source importante de protéines. Du coup, la spiruline, depuis 30 ans, elle est étudiée par l'Agence spatiale européenne pour être envoyée vers Mars, enfin dans les voyages habités vers Mars, dans une logique de traiter des effluents. Et c'est là que je fais la connexion à mon bâtiment, et c'est là les projets qu'on a avec eux. À savoir que nous, maintenant, on s'intéresse à quoi ? Ce qu'on appelle la boucle chimique, on s'intéresse à traiter les effluents chimiques du bâtiment. En particulier lesquels ? Là, on en a besoin d'azote, j'en ai parlé tout à l'heure. Le CO2, c'est facile à faire, entre guillemets, ça vient des chaudières. Il faut que ce soit des chaudières à gaz, si c'est électrique, ça marche beaucoup moins bien. Mais si c'est du gaz et qu'il y a la combustion de gaz, on a du CO2 et on utilise le CO2. Donc ça, on l'a déjà fait. Mais là, on s'intéresse aux effluents type azote. Donc quelle forme d'azote on va trouver dans les bâtiments qui est chargé ? Ça va être l'urine. Donc là, nos projets qu'on a en cours actuellement, des manips en cours à Saint-Nazaire, on fait cultiver des algues sur l'urine. Et dans le recyclage MELISSA, il y a de l'urine. L'urine fait partie des déchets de l'équipage, évidemment. Donc, il n'y a pas que l'urine, je vous épargne l'autre. Mais en tout cas, sur l'urine, il va être traité par des végétaux dedans. Voilà, en partie. Donc, nous, on fait un lien entre les deux. Et le lien, alors, il est un peu plus subtil que ça, c'est pas que l'idée, c'est que, en fait, l'Agence spatiale européenne a développé des modèles mathématiques qui sont très poussés, 30 ans de recherche, qui permettent d'avoir des prédictions très fines, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre que leur concept, là, il tombe en panne entre la Terre et Mars, parce que ça va être un peu compliqué pour les astronautes, ils n'ont plus assez à manger, hein, ils vont avoir du mal à trouver un supermarché ouvert dans le coin. Donc, il faut vraiment que ça soit robuste. Donc, ça fait 30 ans qu'ils éprouvent ça via des modèles mathématiques, etc. Donc, ils utilisent des modèles mathématiques que nous, on transfère au terrestre, et notamment dans le cadre des bâtiments pour ce sujet-là. Donc, en fait, on est à Saint-Nazaire, on est en train de faire du transfert terrestre des technologies spatiales. Donc voyez, alors là je vous ai fait un petit peu partir dans le futur, là, direct, là. On est passé quelques slides des Aztèques à Mars. Bon, il y a toujours la spiruline en plus dedans, c'est ça qui est marrant. Mais, tout ça, on va me dire, c'est peut-être encore un chercheur qui nous raconte ces trucs. La réalité de cette histoire, c'est quoi ? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors en recherche, je vous ai fait voir où on était. C'est une réalité pour nous. Mais la réalité dans le commun des mortels, à savoir Paul Chercheur. Donc les microalgues, grand potentiel, bon, je pense vous l'avoir montré dans différents secteurs, vous l'avez ici de l'alimentation à cosmétiques, biocarburants, j'aurais pu parler aussi de chimie verte, on peut faire des bioplastiques à partir de microalgues, on peut faire du bitume à partir de microalgues, on peut faire plein de choses. Voilà. Maintenant, il vous manque la partie intéressante du slide qui est coupée en bas.
On produit aujourd'hui autant, je vais vous le dire exactement, si je vais dire des bêtises, on produit autant de microalgues en un an que de céréales en 4 minutes. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on n'est pas sur les mêmes, on n'est pas sur la même compétition, là c'est flagrant. Hein. Microalgues, effectivement, on en produit, mais ça reste quand même assez marginal, quoi. On est loin d'être en compétition avec l'agriculture traditionnelle. Maintenant, ça ne nous empêche pas de rêver et de développer des choses. Alors, sur le volet industriel, en fait, qu'est-ce qui bloque tout ce potentiel? En fait, c'est toujours un peu les mêmes enjeux. C'est les enjeux de coût et de volume. Industriellement, les deux sont très liés. L'industrie pétrolière, on a un exemple. Hein, on fait des raffineries à très grand volume et du coup, on diminue les coûts de production de l'essence que vous pouvez avoir à la pompe. Donc, plus vous produisez à grand volume, plus vous faites chuter les coûts. C'est les facteurs d'échelle. Bon, bah là, c'est là-dessus où on est sur les microalgues, c'est-à-dire que les voies qu'on n'a pas encore aujourd'hui, c'est celles qui nécessitent d'être produites en très grand volume, l'énergie, les biocarburants, et à très bas coût aussi les carburants. Après, vous avez la chimie, etc., mais ce sont des productions à grand volume et faible coût. Et actuellement, ben, ça se déplace, c'est-à-dire que là, on commence à faire de la production de masse alimentaire, mais on a toujours encore on n'est pas encore arrivé à avoir suffisamment de gains pour que ça soit commercialement possible. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est encore une fois de regarder un peu dans le rétroviseur et de regarder comment en fait on en est arrivé là aujourd'hui. Et, l'industrie en fait s'est développée. Alors là, j'ai pris l'exemple encore une fois c'est l'autre d'après. L'exemple de l'industrie au niveau mondial, par contre, en fait, on voit que l'industrie des microalgues au niveau mondial s'est développée par rapport au pétrole. Par rapport notamment aux crises pétrolières en particulier. C'est-à-dire qu'on a commencé à s'intéresser industriellement aux microalgues après les premiers chocs pétroliers, en France et ailleurs. Les premiers programmes microalgues en France sont sortis après les premiers chocs pétroliers. Israël, pareil, Australie, pareil, États-Unis, pareil. Donc après, ça s'est calmé. Donc en gros, les chercheurs, à un moment, ils ont eu plein d'argent. Ils ont eu de l'argent, ils ont pu travailler dessus. L'industrie s'est développée, puis à ce coup, ça s'est calmé. On a eu une parenthèse de 30-40 ans, là, où l'énergie était quelque part abondante. Et il y a eu beaucoup moins ces chocs pétroliers. C'est revenu en 2005. Et 2005, si vous vous souvenez, c'était à peu près la période tout à l'heure où on a eu la première production de biocarburant en France. Donc c'est là où le prix du baril a encore augmenté. Et là, on arrive maintenant à une nouvelle, peut-être pas crise énergétique, mais en tout cas une crise environnementale à court terme. C'est-à-dire que là, les sujets redémarrent. Donc c'était à chaque fois comme ça, épisodique. Voilà. Et ça, même si actuellement aucun industriel des microalgues ne produit de l'énergie, quasiment tous, en tout cas les plus anciens, se sont développés grâce à ça. C'est là où c'est le paradoxe. Alors j'ai l'exemple d'AlgoSource, qu'on connaît bien, qui est donné ici. AlgoSource, qui est encore une fois une entreprise locale, qui produit de la spiruline, extrait de spiruline pour la santé, et des ingrédients santé issus de microalgues, pas que la spiruline d'ailleurs. Et on voit ici qu'à l'échelle française et à l'échelle de la région, AlgoSource a été impliqué dans cette aventure des microalgues. Ça fait 20-30 ans qu'ils font la spiruline, mais ils ont eu quelques épisodes comme ça, notamment en 2005, qu'on a vu tout à l'heure, où ils ont produit des biocarburants. Actuellement, comme je disais, ni eux ni les autres ne produisent industriellement de biocarburants à partir d'algues, parce que déjà ce n'est pas les bonnes échelles, c'est trop cher, il n'y a pas de marché. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que ces industries-là se sont sensibilisées à cette notion de développement durable, cette notion de consommation énergétique, etc. Et ça, c'est même pour l'alimentaire, c'est important. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant, AlgoSource a su, comme d'autres, j'en donnais d'autres exemples, a su se servir de ces... de ce contexte favorable, en fait, pour se développer, notamment autour de cette notion de recherche d'une production à faible impact environnemental, y compris pour faire des extraits de spiruline. Mais dans d'autres parties pour d'autres industriels, c'était un échec, parce que beaucoup, voilà. Donc là, j'ai quelques exemples. Ils sont tous américains. Ça s'explique aussi. C'est pas, il y a d'autres, il n'y a pas qu'eux qui ont fait des échecs. Hein, j'ai rien contre les Américains, au contraire. Mais le système américain est fait d'une telle façon que c'est beaucoup d'investissements très rapidement. Il faut la solution demain. Alors quand ça marche, c'est très bien. Par contre, quand ça marche pas, au bout de 2-3 ans, ils s'arrêtent. Donc là, tous les exemples que vous voyez ici, ce sont des technologies ou des projets qui ont reçu des millions de dollars et qui ont tous périclité en moins de 3-4 ans, quoi. Donc il y a eu beaucoup d'échecs.
Alors qu'il a failli faire, à un moment, les gens disaient, les micro-ondes, ça ne sert à rien, c'est un rêve, ça ne marchera jamais. Tout ça parce que des projets américains avaient été tombés, quoi. Donc voilà. En Europe en particulier, et aussi en Asie, et aussi y compris Australie, il y a eu, par contre, à l'inverse, puis aussi des projets américains, il y a aussi des projets américains qui ont tenu, notamment celui à Hawaï, qui est en haut à droite, là, Cyanotech. Il y a des projets qui ont su en profiter et se développer autour des biocarburants. Donc là, je parlais d'AlgoSource, mais là, vous avez d'autres entreprises. On en avait au Portugal, qui produisent maintenant à grande échelle des micro-algues, etc. Alors vous voyez par contre qu'il y a des changements technologiques, c'est-à-dire qu'on est passé, maintenant il y a des technologies qui s'imposent au fur et à mesure et qui deviennent des vraies réalités et avec des vrais investissements industriels pour la production à grande échelle. Donc cet enjeu technologique, alors je vais revenir après parce que c'est là où on est aujourd'hui. Mais voilà, donc cette histoire un peu toujours conflictuelle, je t'aime moi non plus avec les carburants, est assez intéressante. Maintenant, où est-ce qu'on en est en 2022? En 2022, on a des applications dans la nutrition, animale aussi, pas que humaine. On a une application en santé, je parlais des essais qui sont en cours actuellement dans ce bâtiment même là, où je suis, enfin où on est, en cosmétique. Et maintenant, des applications qui arrivent autour des carburants, aussi des biofertilisants, utiliser les algues pour faire l'amendement des sols, par exemple, comme source d'azote. Pour traiter les eaux, faire le traitement d'eau, et également pour faire des produits chimiques issus de micro-algues. Donc c'est où on en est. L'industrie, pour aller vite, c'est juste pour vous dire que c'est une réalité, c'est en bas. En Europe, c'était en 2015, donc c'est encore plus maintenant, il y a plus de 400 entreprises qui travaillent dessus. Donc 750 millions d'euros à peu près, à l'échelle de l'Europe. Et puis à l'échelle mondiale, c'est à peu près 2000 entreprises. Alors c'est pas une grande industrie majeure, hein. C'est des domaines qui ont plus que ça. Mais il y a quand même 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires, ce qui est loin d'être quand même anodin. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est une vraie industrie, c'est plus des gens qui sont dans leur coin à travailler. Ils sont dans des vrais réseaux de distribution avec des vraies des entreprises, avec des employés, etc., etc. Alors quels sont les enjeux? C'était la dernière partie. Alors les enjeux pour l'avenir, tout ceci étant dit, donc le potentiel, j'ai parlé du potentiel, donc maintenant qu'est-ce qui va faire qu'on va pouvoir aller attaquer ces dernières applications, notamment l'énergie, le traitement des fluents, la production à grande échelle? Il faut déjà avoir conscience qu'on est sur une bioressource qui est très particulière, donc micro-organisme photosynthétique qui est très petit, une dizaine de microns, milieu aqueux, donc on doit gérer de l'eau. Donc on va devoir développer des process spécifiques de production qui vont utiliser du soleil, notamment, ou même de la lumière artificielle, mais en grande partie du soleil, et développer tous des process pour les récupérer et les traiter. Donc là, il y a un vrai enjeu technologique. Alors je ne vais pas tout décrire ici, mais vous voyez ici qu'on développe différents systèmes de culture ça va dépendre de la taille de l'installation, du lieu dans le monde, de la souche cultivée. Mais il y a un vrai enjeu, là vous avez des exemples qui vont d'Israël au Portugal en passant par la Chine et par Saint-Nazaire, qui est au centre de tout ça, c'est bien connu. Vous avez à voir toutes les technologies qui vont être développées au fur et à mesure dans le monde. Alors ça peut être suffisant. Alors nous, si on nous laisserait développer nos technologies, on serait heureux en tant que chercheurs. Mais il faut qu'on s'intéresse aussi à la valorisation. Donc là on travaille aussi beaucoup là-dessus, c'est extraire les composés d'intérêt puis aller les tester. Les tester comme agents fonctionnels dans une boisson, par exemple, ou également comme un produit anti-inflammatoire dans un produit cosmétique, ou alors carrément pour avoir des activités antioxydantes sur le corps humain. Donc là, on passe des micro-algues, c'est ce que vous voyez en vert là-bas, à des extraits. Donc là, après, ouais, les couleurs sont différentes parce qu'on prend un extrait de cette algue. Mais maintenant, ce qu'il faut aussi, alors nous, on est en tant que scientifiques, on se doit d'être garant que ce qu'on fait dans l'avenir, ce qu'on propose comme nouvelle solution, parce qu'il y a du potentiel, comme vous l'avez compris, ça soit mieux que ce qu'on fait actuellement. Donc, un des enjeux sur les micro-algues, c'est ce que j'ai commencé à évoquer sur quelques exemples, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception, c'est l'impact environnemental de tout ce qu'on va faire. Notamment, plus on va aller vers ces fameux verrous volumes, là, taille de production, plus on va aller sur les volumes importants, plus ce qu'on va faire aura de l'impact.
Bon, si c'est produire sur 1000 mètres carrés dans le marais breton, c'est pas trop important. Enfin, ça peut être important, mais voilà. Mais si vous commencez à produire sur des dizaines et des centaines d'hectares les mêmes micro-algues toujours en Bretagne, là, par contre, il faut quand même se poser la question de qu'est-ce que ça va avoir comme impact. Donc là, on a des outils d'ingénierie qui sont de ce qu'on appelle l'analyse de cycle de vie, qui permettent en fait de reprendre l'impact de tout ce qu'on fait. Alors, de la production d'algues, y compris la construction des bassins, le traitement des effluents, etc., etc. Et là, j'ai un exemple alors, qui est assez récent parce qu'on l'a présenté il n'y a pas longtemps à un congrès, il y a 15 jours, je crois. Là, c'est juste, sans rentrer dans le détail, c'est si je prends juste la spiruline qu'on connaît tous, enfin, je pense, qu'on trouve sur les marchés, on la produit en France, chez nous. Donc, ce que vous trouvez au marché du coin. Beaucoup disent qu'on va, ouais, c'est bien la spiruline, ça diminue le CO2, dans les émissions de CO2. En fait, non, si on prend tout ce qu'on a besoin pour faire la spiruline sèche qu'on vend sur le marché, tous les CO2 qui est équivalent à toute l'énergie qu'on y met dedans, ben, on va émettre en fait 15 kg de CO2 par kilogramme de spiruline. Donc on n'est pas du tout dans un bilan positif, on émet. Alors à titre d'info, avant que vous me jetiez tous des pierres, là, me disait avec ces trucs, il faut qu'il se les remballe, il va nous polluer notre planète. Les tomates, bon, tomates, vous en connaissez les tomates, c'est plus que les micro-algues, je pense, c'est quand même meilleur. Eh bien, on émet 12,5 kg de CO2 pour 1 kg de tomates. Donc, si vous ne voulez plus émettre de CO2, mangez plus de tomates non plus. Et ne me les jetez pas. Et donc, alors, mais par contre, il faut se poser les bonnes questions. C'est-à-dire qu'on vient en substitution d'autres choses. Alors, par exemple, un exemple d'usage, je veux utiliser les spirulines. La spiruline, c'est beaucoup de protéines, 60% de protéines, c'est là où il y a le plus de protéines. Je veux faire la spiruline comme source de protéines majeure pour le monde. Résoudre les problèmes de malnutrition, etc. Alors, je peux, ça va marcher. Mais si je regarde l'impact environnemental, ben, on le voit ici, la spiruline, c'est loin d'être la meilleure source. Vous allez sur le soja, vous allez sur le pois, protéines de pois, c'est beaucoup moins de CO2 en production que ce que vous allez faire sur la spiruline. Alors ça, c'est aux technologies d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on peut toujours améliorer. Alors c'est là-dessus qu'on travaille. Oui, alors je passe là-dessus. C'est un autre projet qu'on a avec... parce que les gens qui habitent dans le désert, on travaille avec le Qatar ou l'Arabie Saoudite là-dessus, eux, ils ont d'autres problématiques. C'est pas le CO2 et pas pour eux l'enjeu. Eux, c'est d'avoir la production d'aliments avant tout. Donc, c'est d'autres types de projets. Mais ce que je voulais, parce que là, je vois que le temps passe, vous dire que si je prends mes technologies de tout à l'heure, mes technologies, ma même approche sur les biocarburants, et que je les compare, et que j'utilise notamment celle qui est tout à droite, là, qui est la technologie qui consomme le moins d'énergie, celle que j'ai présentée tout à l'heure pour les biocarburants, Algofilm, en fait, qui permet d'avoir un bilan positif. Alors, je passe vite par rapport au temps. Donc, si j'utilise cette technologie-là, donc je n'utilise plus les bassins classiques de spiruline, mais je la produis dans des technologies qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, ben, je suis passé de 12 à 5 kg de CO2 par kilogramme de spiruline. Donc, j'ai fait qu'il y a plus d'un facteur 2 en changeant uniquement la technologie de culture. Et donc, bah voilà, donc là, alors il y a toujours un sujet, mais là, par rapport à mes tomates, là, je suis déjà meilleur. Enfin, pas au niveau du goût, au niveau des CO2. Et l'intérêt de ces outils-là, c'est que je peux regarder dans le détail, creuser et regarder ce qu'il y a. Et si je regarde, bah, je vois qu'en fait, mes nutriments, là, c'est 3 kg des 5. Et mes nutriments, en grande partie, si je regarde encore plus dans le détail, c'est les nitrates. Et donc là, ce qu'on est en train de travailler, c'est utiliser les nitrates qui viennent des eaux usées, et pour faire notamment la spiruline. Et si on fait ça, ben on va encore pouvoir diminuer les quantités de CO2 émises pour 1 kg de spiruline. Donc c'est ce qu'on appelle de l'éco-conception, où on va, comme ça, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, soit travailler sur le levier technologique, ou les solutions, notamment d'écologie industrielle, pour chercher à améliorer le bilan final, et se garantir que ce qu'on va proposer... Ben, ça soit quelque part plus durable, en tout cas avec beaucoup moins d'impact environnemental que la solution existante. Mes tomates, par exemple. Donc c'est le sujet sur lequel on travaille beaucoup. Donc maintenant, tout ce qu'on fait en termes de process ou de développement au niveau du labo, on l'associe à ces notions d'éco-conception. C'est un peu notre rôle de chercheur dans le domaine du public, d'être garant que ce qu'on propose ne va pas détruire les générations futures. Notamment sur tout ce qui est CO2, ça c'est l'impact direct, c'est le réchauffement climatique. Et là, c'est une petite parenthèse,
c'est que derrière aussi, en tant que chercheur, on est souvent confronté à ça, c'est-à-dire qu'on nous demande notre avis sur des technologies qui sortent de gauche et de droite, en France ou ailleurs, et puis bah, là, il y a toujours un peu l'argument... L'argument qui, ben vous voyez, hein, qui est de dire que les microalgues, c'est bien, ça capte du CO2. C'est vrai, ça capte du CO2, mais suivant l'usage qu'on en fait, on peut aussi en émettre. Et là, vous avez quelques exemples. Suite gauche, c'est un comment c'était appelé ça ? L'arbre urbain, je ne sais plus. Enfin bref, c'est un système de culture d'algues qu'on met en ville et qui est censé diminuer dépolluer les villes, pardon. De par rapport aux émissions gaz d'échappement, etc., etc. Bon, ben, en plus, ce type de technologie est éclairé par lumière artificielle, donc quand on fait le bilan carbone, en fait, ce type de technologie va émettre beaucoup plus de carbone qu'avant capté. Donc, commercialement, ça marche, mais techniquement, c'est pas forcément le cas. Vous avez d'autres exemples comme ça, mais bon, après, c'est pas pour en vouloir forcément à ceux qui ont ces discours-là, c'est que souvent, ils ne font pas des analyses qu'on appelle d'analyse cycle de vie. C'est quand même assez compliqué. Donc nous, notre rôle, c'est un peu de les éclairer là-dessus. Alors on publie, on fait des communications aussi grand public, comme je fais aussi aujourd'hui. Pour sensibiliser à ça, c'est que ben, il faut quand même bien... Faut pas prendre trop de raccourcis. La photosynthèse, ça a besoin de CO2, mais suivant l'usage qu'on en fait, on peut avoir des fois des effets inverses. Alors pour terminer, je dois être à peu près dans les temps, je vais vous présenter, je vais vous faire un zoom sur nous-mêmes. On peut se faire finir un petit peu égocentrique et on va finir sur l'écosystème nanto-nazérien. Alors, notre laboratoire. Alors pourquoi je finis par ça, c'est que... En fait, dans nos projets, on travaille quand même avec quasiment tous les grands groupes qui travaillent dans le monde sur le sujet. Et ça s'est développé historiquement parce qu'il y avait beaucoup d'aquaculture dans la région, notamment en Vendée. Je viens de Vendée. Et, enfin, rien à voir, je suis pas né dans les microalgues, quand même pas... J'ai grandi avec, mais je n'ai pas allé dedans. Mais il y a beaucoup dans la zone de Boin, etc. Il y a beaucoup écloserie d'huîtres et autres. Et donc, ils cultivent des microalgues depuis très, très longtemps. Et du coup, il y a tout un historique sur Nantes et sur la Pays de la Loire sur la production de microalgues. Donc, en fait, les microalgues ont démarré par l'aquaculture. Et maintenant, on est arrivé bien au-delà de ces sujets-là. Donc, il y a tout un écosystème nanto-nazérien assez fort autour de cette thématique-là. Alors notre laboratoire, qui est le laboratoire GEPEA, donc JD Procédés Environnement Agroalimentaire, c'est un laboratoire donc, qui regroupe plusieurs équipes, donc de la Roche-sur-Yon à Saint-Nazaire en passant par Nantes, et à peu près 200 personnes. Sur Saint-Nazaire, enfin un peu plus de 100 personnes, sur Saint-Nazaire, on est une quarantaine de personnes dédiées quasiment intégralement au travail autour des microalgues. Donc un des plus gros labos de la région, donc qui ne s'intéresse pas qu'aux microalgues, comme je l'ai dit, qui s'intéresse en fait de façon beaucoup plus globale à tous les enjeux, ce qu'on appelle des transitions industrielles autour de l'environnement, de l'énergie et de l'agroalimentaire et l'alimentaire. Donc tout le développement de procédés pour mieux utiliser la ressource, mieux utiliser l'énergie, réduire l'empreinte environnementale et aussi améliorer notre qualité de vie. On travaille aussi par exemple sur la qualité de l'air dans les bâtiments, c'est pas par les microalgues, mais toute la qualité de vie qu'on peut avoir, l'impact sur l'écosystème, puis notre vie aussi tous les jours. Donc on travaille sur les procédés, on est des gens qui travaillons à l'échelle de pilotes, etc., comme vous avez pu voir, mais à la fin, on s'est positionné vraiment sur ces enjeux, ce qu'on appelle de l'usine du futur, ou l'industrie du futur, autour des transitions environnementales, énergétiques et alimentaires. Et ça, ça représente à peu près 200 personnes mobilisées dans la région sur le sujet. Après, sur les microalgues, on a un focus sur Saint-Nazaire, en particulier parce qu'on a une plateforme qui s'appelle AlgoSolis, qui est la plateforme nationale, parce qu'elle est labellisée par le CNRS, pour le développement technologique qui utilise les microalgues pour l'homme, et en particulier les biocarburants. Vous l'avez là. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, parce qu'elle est visible, évidemment, vu la taille. Elle est près de Gavi. Elle est même visitable. Il ne faut pas venir comme ça, vous ne vous ouvrirez pas les portes, mais si c'est organisé, c'est visitable.
C'est une plateforme publique qui a tous les équipements en fait, pour pouvoir tester les différentes technologies. C'est là-dessus qu'on a développé les biofaçades, c'est là-dessus qu'on a développé la fixation de CO2, qu'on a fait les premiers biocarburants à partir d'algues, etc. etc. Vous avez des différents exemples. Je vous ai parlé du biobitume, par exemple, ici, là. Bon, on avait fait du biobitume, qui a été testé d'ailleurs pas loin de Nantes, là, anciennement l'Iftar, pour tester, voir si le bitume à partir d'algues était aussi résistant que du bitume classique. Et oui. Donc voilà, donc tous les trucs qu'on a pu faire grâce à cette plateforme qui a été inaugurée en 2015 est quand même un outil assez majeur, y compris au niveau mondial, parce que c'est une plateforme qui associe recherche et développement technologique assez poussé. Donc on est sur un outil quand même d'exception sur le territoire. Quelques projets, je ne vais pas tous les dire ici, c'est juste dire, ça c'est les projets d'actualité. J'ai parlé du projet près de Lyon. Je ne vais pas revenir dessus, donc c'est quand même un gros projet de démonstration. Les bâtiments qui sont en construction à Paris, c'est aussi un autre projet. Et puis suite droite, je n'en ai pas parlé, c'est un projet en Guyane, qui vient d'être lancé là, et le projet Pian, qui vise en fait à produire des microalgues pour les biocarburants, et aussi de la spiruline d'ailleurs, en Guyane. Pourquoi la Guyane? C'est que c'est la zone géographique près de l'équateur est beaucoup plus favorable évidemment qu'en métropole, et on a des conditions quasiment constantes toute l'année, et proche des optimums de production. Donc c'est là-bas qu'on va faire la première démonstration de production à grande échelle de biocarburant. C'est en Guyane. Et donc toute la partie recherche est à être faite à Saint-Nazaire. Donc, arrive le moment de ma conclusion. Bon, ce que j'essaie de vous faire passer aujourd'hui comme message, c'est... un peu cette notion d'origine en fait, qui est très ancienne, l'importance des microalgues, on la connaît très peu, on en commence à en parler que maintenant, mais elles étaient là bien avant nous. Encore un rôle très important dans les cycles du carbone, dans la chaîne trophique des océans, mais maintenant, nous, si on s'y intéresse, on n'est pas un laboratoire de biologie au sens on travaille sur les océans, au GPA, on travaille sur les technologies industrielles du futur, pour les enjeux du futur, donc là, c'est les solutions durables pour l'industrie de demain. Alors j'ai donné quelques exemples, l'alimentation aussi doit être durable, hein, c'est pas que les biocarburants, mais si on se met un peu tout ça dans le temps, il y a 3 milliards d'années, les microalgues apparaissaient, on s'y intéresse en fait depuis le 19e siècle, les petites manips à cette échelle-là, là. Et industriellement depuis à peu près, ça devient depuis ces dernières années, quoi, les 10-20 dernières années. Beaucoup de recherches entre les deux, nous et d'autres laboratoires, et ce qui fait que maintenant, c'est en train un peu de développer partout dans le monde, avec pas mal de valorisation, des fois on s'y perd un peu, mais nous ce qu'on cherche à avoir, c'est toujours un peu ce fil rouge d'éco-conception, quelle que soit l'application, des biocarburants alimentation, pour penser aux solutions de demain, qu'elles soient donc favorables pour l'homme. Bien sûr, l'histoire n'est pas finie, loin de là, et il y a encore beaucoup de travail devant nous. Et pour terminer, une petite photo de notre site à Saint-Nazaire. Si vous ne connaissez pas, ça c'est l'embouchure de la Loire. Donc on est juste à côté, il y a l'école Polytech où j'enseigne avec mes collègues. Et vous avez derrière la Baule, etc. Mais nous on est juste à côté de la zone de Gavi, qui est un autre site de l'Université de Nantes. Voilà, j'espère que ça vous a plu et merci pour votre attention.